I am in charge of the conception and the implementation of this major Transtun CBRA exercise at Bielsa Annual Tunnel. The main outcomes are the need to test the CBRN procedure and equipment in operational condition, the evaluation of the first responders' intervention phase, and the evaluation of the interstate coordination. C'est important parce que, vous le savez, les services ont l'habitude de s'entraîner les uns, chacun dans son secteur. Mais là, c'est l'occasion de faire vraiment un exercice transnational, de travailler avec nos partenaires espagnols dans un cadre qui, je l'espère, apportera aussi des éléments de connaissance au niveau européen. Cela va nous permettre de pouvoir mettre en place et évaluer nos processus d'intervention dans un contexte très spécifique qui est contexte NRBC. Donc la réalisation de ce type d'exercice sur un département frontalier est extrêmement important. Ce soir, nous engageons 55 gendarmes sur cet exercice qui propose des mesures très contraintes et des risques particuliers. L'exercice européen qui est organisé Transtun va permettre d'éprouver le plan binational sur le risque tunnel avec un peu plus de 140 personnels qui seront engagés et près de 40 personnels de l'extérieur. Et également, ce sera l'occasion de tester nos procédures, de tester les matériels et de vérifier finalement que cette culture de sécurité civile est correctement partagée par l'ensemble des acteurs. Je voudrais d'abord remercier le projet européen Transtun qui nous donne cette opportunité d'améliorer les procédures de fonctionnement de notre tunnel et envisager d'autres solutions de sécurité pour nos usagers. Et je pense que les résultats de ces projets sur notre tunnel transfrontalier peuvent être extrapolés sur d'autres tunnels transfrontaliers européens et améliorer la sécurité routière de ces tunnels vis-à-vis des risques NRBC. The Transtun project is a public-private partnership initiative composed by partners who have been able to create a network of stakeholders, draft a set of operational guidelines based on a tailored risk assessment, and undertake a real-life exercise to increase the interagency and inter-country capacity of emergency response in case of CBRN events in a real cross-border tunnel. Many thanks to all Transtun partners, experts and stakeholders, as well as a special thanks to the European Union for co-funding this project and contributing to a safer Europe.